plutôt pour les polices. Non, c'est plutôt pour les... On les utilise beaucoup pour les sous-sols, dans les parkings. Ouais. Parce que les dépanneuses normales ne savent pas rentrer. Et comme ça, il n'y en a qu'une seule. Hein. Il y en a une seule au monde qui est comme ça. Hein. Ça lui a coûté tellement cher pour la faire qu'il ne veut, il veut plus en faire une autre. Voilà, je vais vite faire le plein. Tellement qu'il a été adapté. Oui, il a adapté, le châssis a été rallongé, tout, le cardan, ça demande un travail fou. Alors, il y a combien de litres ici? 100 litres, il devrait y avoir. C'est un petit réservoir. On est en mission. On n'est pas loin. Hein. On est à combien? Un radar de vitesse, s'il vous plaît. 7 minutes. On est à 3 km et demi de l'intervention. Pardon. Alors, ce qui est embêtant quand dans ce genre de dépannage, c'est qu'il fait mauvais. Et tu vas devoir réparer le pneu. On va voir. On navire. Voilà. C'est ça qui est gai dans un dépannage, c'est que tu sais jamais exactement ce que tu vas avoir. C'est une surprise. Et il y a des bonnes et des mauvaises. Mais, et voilà, c'est ça, tout à fait. Et il y a des fois où elles ne sont pas sympathiques. Ah mais non, c'est comme, voilà. En fin de compte, je voulais prendre une mission, mais la prison m'a déjà été attribuée. Je ne sais plus la prendre. Parce que je suis un des rares qui peut mais prendre. Mais là, à la centrale, ils voient que toi, tu es dessus. Oui, ça, ils le voient. Et qu'est-ce que tu voulais faire en plus alors? Je voulais la faire démarrer. Je ne savais pas si elle avait démarré. Mais elle avait démarré par eux. Je n'avais pas fait le lien. Et alors ici, j'ai envoyé un message au client, aussi lui va recevoir un SMS, et s'il clique dessus, il sait savoir où est-ce qu'on est. C'est rassurant parce que quand on attend, ça paraît long. Hein. Oui. Et ici, qui peut cliquer les... Enfin, c'est une bonne question, mais moi, je ne sais pas si j'aurais... Alors, tu reçois un message et tu vois la ligne là. Alors, il y en a qui ont peur de cliquer et disent « Oula, c'est quoi ça ?» Tu vois, parce qu'ils ne savent pas que c'est... On doit trouver... on doit travailler sur... d'une autre façon que... Ouais, bien, c'est la dépanneuse, cliquer pour voir où elle est, un truc, un message... Ça, c'est pas marqué pour l'instant. C'est pas clair pour certaines personnes. Mais beaucoup... On sait, y a, au niveau des messages, il y a 60% des personnes à qui on envoie qui nous suivent. Ah oui. Et alors, il y a un moment... Il me dit, vous êtes suivi. Ça veut dire, il me dit que le gars est en train de me regarder. Ah oui, il ne faut pas t'arrêter pour aller chercher un sandwich, chez compagnie, faire un détour. Donc on est arrivé, ça doit être ici quelque part, une Tucson. Le petit problème, c'est que... On ne sait pas où est-ce qu'il est. On va téléphoner au client. Ah oui, c'est une cache-cache. Bienvenue, c'est voicemail. Voilà, ça c'est le petit problème. C'est que le gars il ne sait pas me rappeler parce qu'il ne voit pas mon numéro. Et si lui ne me répond pas, ben on est là. Rue des Prés communs. Attends. Les gens, mais oui, mais souvent les assistants leur disent qu'on est là dans les 45 minutes. Et quand on est là en 10 minutes, eux, ils étaient boire un café en attendant. Oui. Ah, c'est pas celle-là? Ah oui. Mais tu vois, ils n'ont pas dit qu'il était dans une pompe à essence. Mais alors, l'avantage, c'est qu'il est à l'abri de la pluie. Ça, c'est positif. Ça, c'est bien, oui. Arrivé sur place. Oui, voilà. Donc maintenant, tu vois, il signale qu'il est arrivé comme ça à la centrale. Comme ça, on a le délai. Par exemple, depuis l'appel, on a mis 21 minutes. Depuis que j'ai eu l'appel, parce que j'étais faire le plein. Voilà un peu, le système de pneus se trouve de ce côté-là, le pneu qui est crevé de ce côté-là, donc je me mets ici. Et comme ça, si quelqu'un doit prendre l'essence, on ne va pas l'embêter. C'est ça une Tucson. Ça, c'est une des Tucson. Si par exemple, je vais prendre, avant de commencer quoi que ce soit, je dois faire des photos et prendre toutes les informations concernant le véhicule pour voir s'il est en ordre. À tourner le moteur. Sinon, les batteries sont à plat un moment. Ici, maintenant, j'ai mis en route et j'ai le compresseur qui fonctionne pour l'intérieur.
Il y a un compresseur ici dans la voiture. Ouais. Une vis dans le pneu. Ah. Là, il va devoir réparer le pneu. Mais oui. C'est quand même. C'est de l'équipement professionnel. Vraiment. On va maintenant. Il faut qu'il y ait de l'air dans le pneu pour le réparer. Ah, ah oui, tu vas mettre une mèche. Deux seulement. Allez, super. Voilà, il perd beaucoup, hein. Il perd vite, hein. Il perd vite de la pression, hein. Ah, oui, oui. Non, 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 non. Alors ça, c'est un peu plus compliqué maintenant. Ah, c'est là qu'il faut gonfler le pneu maximum. Opération terminée. C'est si longtemps la réparation était payante pour le client. Mmh. Et on s'est battu avec les assistances pour que les assistances nous payent. Oui. Parce que oui, directement. Si le client ne paye pas, vous ne payez pas. Oui. On remorque le véhicule et d'en donner avec le remplacement. Mmh. Oui, oui, ça va au final, oui, oui. Et... mais souvent aussi, ben, je ne critique pas, mais souvent aussi, on peut rester des années, on ne fait même pas appel à l'assistance. Hein. Ah, bien sûr. Bien mais en tout temps, on paye. Hein. C'est certain, ça. Mmh. Ça c'est le principe de l'assurance. Mais oui, hein, mais, ça. Oui, bien sûr. Mais le jour mais oui. où on en a besoin, c'est ça, et quand on a un bon service... Mais c'est très important d'en avoir quand même. C'est très... Mais il y a des camions, des gros camions, ils ont l'air compressés là. Hein. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Non, non, mais c'est pratique, c'est vraiment pratique. Alors, il faut toujours contrôler à la main s'il est bien fait. Et voilà, monsieur. Heureusement que j'étais assisté par mes assistants. Ça a l'air facile, mais c'est parce qu'on est bien équipé en matériel. Ah, oui, oui, bien sûr, ça c'est... C'est essentiel, hein, l'équipement. Ah oui. Tout à sa place. Chaque chose à sa place. Oui, oui. Et chaque place à sa chose. Tout est bien rempli. Ah oui, oui. Oui, hein, oui, oui. Tu vois, mais de fait, plus haut, tu as... sans air comprimé, enfin ici il y avait moyen, il n'y en avait pas loin, mais sans air comprimé, sans le matériel, enfin oui. Et j'ai même un deuxième compresseur de réserve encore. Oui. Et j'ai encore le compresseur aussi du véhicule. Notre programme. Donc je retourne sur la mission. Voilà. J'ai fait les photos, j'ai pris les coordonnées de la voiture, voilà, et maintenant, comme tout est dessus, je fais ça, dépanner sur quelque part, je vais pouvoir mettre comme quoi j'ai mis une mèche. Ici, peut-être. Ouais, que je téléphone à la centrale, hein, voilà, je termine, et je vais lui demander qu'il mette, lâcher ça, je vais faire un rafraîchissement, elle va disparaître. Ils ont toutes les informations. Yo. Oui, dis, où est-ce qu'on trouve le fait qu'on a mis une mèche à moins que quand c'est dépanné sur place, c'est d'office avec une mèche, non hein. Non, pas d'office. Dans le PDA, je ne sais plus, mais tu le mets directement moi. Voilà, écoute, tu le fais toi. Donc c'est dépanné sur place et j'ai mis une mèche dedans. Quelque chose qui tombe, je suis en stand-by de ce côté-ci, mais bon, tu sais bien, je vais un peu partout. Hein. Et si tu as une voiture, une police, où tu connais la marque et le type, tu m'appelles d'abord et je dirai ok, je peux la prendre. Ouais, ouais, ça va, pas de problème. Ça va okay. Donc j'attends le nombre de gens. Je sais que le dépannage police et tout, c'est quelque chose que les gens raffolent. Et je suis encore gentil, hein. T'as l'adrénaline, hein.
Tu dois faire attention à la police, au flash, et à ne pas perdre de temps, à la conduite. Léo. Ouais. Ah non, non, j'ai pas vu. C'est où? C'est Pierre Portet, Pierre Bec. Ça va, je prends. Ouais. Ça va. Merci d'avoir appelé. Ouais. Problème tantôt. Changement de destination. Je te dirai peut-être un autre police après. Hein. Tomo. Vois ici. J'ai accepté la mission, il me dit, tu vas envoyer le message au client. Oui, à partir du moment où tu envoies ça, tu ne vas pas t'arrêter, tu dévis pas quoi. Parce que lui, il suit. Oui, oui, bien sûr. Là, il y a fil. On va faire autrement, j'ai l'impression. C'est un petit détour, mais ça va être un peu plus rapide. Là, c'est parce qu'ils arrêtent tout son temps. Alors, tu as le GPS, tu as Waze, et puis tu as Emilio. Tu vois, une journée comme ça, ça passe, mais à une vitesse. Oui, oui. On est là dans 250 mètres. Oh, c'est fou parce que 250 mètres, 2 minutes. Alors, la voiture, c'est une Kia Sportage. Ah, attention, elle est en train de vous suivre avec l'application Smooth. Ah, c'est ça. Oula, on a gagné. Voilà, alors je mets arrivé sur place, oui. Voilà, ici c'est une plaque belge. Je complète, catégorie une tonne et demie à une tonne, essence, auto, tu vois, c'est une traction avant, donc c'est pas une 4x4, c'est, donc je sais déjà plein d'informations, c'est une 2017, donc ce gars a déjà été dépanné. La photo, on l'a fait, pourquoi? La preuve qu'on est bien venu sur place. Oui, bonjour. Le dépanneur, je suis à côté de votre voiture. D'accord, je descends tout de suite. Oui, merci. Ça fait 21 minutes en tout. J'ai mis 20 minutes pour arriver sur place, mais ça, c'est pas normal. Le gars est en panne. Il me suit et il n'est pas là. Tu sais combien de temps ça nous fait perdre par jour? Une heure. Minimum par jour qui est perdu à attendre. Oui, allô? Emilio? Ouais. Il y a une police à Skerbeek. C'est quoi comme voiture? Mais une Octavia, mais ils n'avaient pas dit que c'était une automatique ou une manuelle. Tu me la mets? À 4 minutes de la hauteur. Mais oui, voilà. Le client, je l'attends. Donc il va arriver d'une minute à l'autre. Je vais vite jusque là et on prie pour que ce soit une boîte manuelle. Hein. D'autres missions qui m'attendent, est-ce que vous pouvez venir? Je suis dans l'ascenseur, monsieur. Oui, mais vous avez... Et moi j'attends depuis 4 heures. Hein. Ah, moi j'ai reçu la mission seulement maintenant. Et je suis... Ouais, on était là 20 minutes et vous avez vu sur l'application. Mais je peux au moins filer un blouson. Hein? Oui. Je peux au moins filer un blouson. Oui, mais faites, allez. Voilà, mais faites vite parce qu'on m'attend. C'est froid à l'extérieur, hein. Je vais pas descendre comme ça. Oui, ça va. Ouais. Tu vas voir manière. Je 5 minutes plus tard. Excusez-moi, vous êtes sérieux? Vous avez appelé à 47. Il est 5. Bon, alors maintenant, espérons que ça va aller. Mais oui. Espérons que tu aies un frein manuel. Oui, un frein, oui. On s'inquiète pour le frein électrique. Oui, boîte manuelle et frein manuel. Ça, ce serait vraiment impeccable. Et alors là, on aura tout fait. Hein. On aura fait les assistances et de police. Oui. Ça va, Martin, tu aurais été des petites sensations aujourd'hui. Hein. Oh. Ouais. Ah oui, il adore ça. Allô? Oui, John? Oui. Oui. Écoute, je suis sur place dans une minute, mais essaye quand même de voir si... voilà, parce que je vais vite regarder si jamais ça va pas. Est-ce que tu as toujours personne pour venir? Si, j'ai un chauffeur qui vient de décharger au dépôt. Donc s'il faut, il peut partir. Ah, ben écoute, voilà, je suis là, voilà, je viens d'arriver. Je te dis quoi, je te rappelle. Ça va, pas de problème. Et j'ai mis une batterie sur le retour, je sais pas si vous avez vu. Ah non, j'ai pas vu, mais... il y a des flics qui bloquent la circulation. Bon, je te laisse, je te dis au courant. Ça va, thank you.
Vous êtes sûr que vous êtes de la police? Moi, je me pose la question. Peut-être que c'est un faux. C'est laquelle? C'est à droite la Skoda, s'il vous plaît. Ah, c'est une récente. La police commence à travailler. Bonjour. Oui. Ben voilà. Ben c'est monsieur qui fait tout, hein. Moi je fais juste semblant. Moi je fais juste semblant. Ça va bien? Oui. Allez alors. Vous n'avez pas bien. Trop froid là? Vous n'avez pas de manteau? Non, mais on est au chaud, hein. Ça tient chaud. Ça oui, tient mais chaud. Je suis mouillé si tu veux. Non, ça va. On n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Ben voilà. Comme ça tu vois comment ça se passe. Ouais. Ça va? Monsieur, dame, une bonne journée. Il adore ça. Bah oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Il faut faire des tours alors. Il doit... Oui, parce que ah, la voiture est partie. Et il n'y a pas de risque qu'elle soit en vitesse? J'ai enlevé la vitesse, c'est ce que j'ai fait. D'accord, ok. Ah, oui, bah oui, avec la tige là. Avec la tige, t'as enlevé la vitesse? Ouais. Non, ce qui... Bonjour. Mais... Oui, non, oui, tu n'es pas dessus, hein. Si, si, si. Ah, oui, oui. On sent qu'il y a du poids. Ah, oui, hein. Et voilà, Martin. Ça doit... Hey, hein, pas mal, hein. C'est vide. On est parti à quelle heure? Hein? Parti. Ben, dépanné. Ben, 2h30. 2h30 à peu près. Et il est quelle heure? Ce qui fait. On a fait 3h50. Hein. En 2 heures, hein. Ouais. Moins de 2 heures. Moins de 2 heures, 4 dépannages, ça c'est 4 bon. Ou 3. Le deux pneu, 3, 4. La choc-batterie, oui, choc-batterie oui. Et la malgarée. Oui. Mmh. Tu vois, et bien ça, ça c'est rentable. Oui. Mais en semaine, c'est difficile avec la circulation. Ah, mais ici on a eu du bol de voilà. Ça, oui. Ça se suivait. Voilà, moi je dirais que si on tient la moyenne de 1 par heure. Tous payés, on gagne un tout petit peu. Oui. On a bien travaillé. Voilà, maintenant on peut rentrer à la maison tranquille. 1, 2 heures, 4 missions. Eh ben, c'est ça que j'allais dire en montant dans la voiture. Depuis qu'il y a le corona, on n'a plus de pourboire. Oui, oui, oui. Ah, peut-être tu veux descendre pour que je fais la manœuvre et... Ah, ben oui, comme ça. Stop, stop, stop. Elle est... Oui, oui. Elle est... Non, 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 non. Non, non. Non, non. Oui.
Oui, c'est... C'est génial. Devrait me payer pour travailler ici. C'est génial comme système.